Hey, salut tout le monde, comment que ça va? Accrochez-vous aujourd'hui, épisode 8, débute en RC. Qu'est-ce qui amène la puissance de ta transmission à la roue, enfin du bulkhead différentiel, tout ça, à la roue? On montrera bien sûr au fur et à mesure, en parlant de véhicule, cet arbre-là, dans d'autres épisodes. Comme toujours, n'oubliez pas que les épisodes s'enchevêtrent et des choses dont nous avons parlé sur les premiers épisodes vont revenir ici. Donc il est très important que tu te prennes le temps de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu comprends pas. Si tu comprends, bien sûr, évidemment, tu n'as pas besoin. Alors, ce que nous allons reprendre des épisodes précédents, c'est l'histoire des fusées et des noix. D'accord ? Pour amener la puissance à la roue, depuis le différentiel, ça, c'est l'épisode, je pense, suivant, à moins qu'on fasse un crochet d'abord sur les suspensions ou autre, on verra ça. On a cardan et différents types de cardan. On peut appeler un cardan un arbre de roue, un cardan homocinétique. En anglais, CVD. CVD, c'est un mot qu'on utilise aussi en français, mais ça veut dire Constant Velocity Drive Shaft, ce qui est un cardan homocinétique. D'accord ? Ne pas confondre l'homocinétique et le télescopique. Le télescopique peut être homocinétique. Enfin, il est homocinétique. D'ailleurs, double. Ça aussi, je vais t'expliquer. Mais on va commencer par le truc le plus répandu, c'est le dog bone, os à chien, parce que ça ressemble tout simplement à un os. Ok ? Existe en différents matériaux, comme toujours, plastique, ferraille, ce que tu veux. Il y a ceux qui sont dans le même sens des deux côtés, et ceux qui sont dans un sens différent, ce qui est la meilleure solution, mais qui est plus cher à fabriquer, d'où le fait que la plupart les fabriquent de cette façon-là. Il y a aussi certaines marques qui utilisent des subterfuges, c'est-à-dire que d'un côté, comme il y a un plus gros effort, ils vont utiliser une sphère plus grosse, et pour économiser de l'argent, pour ne pas mettre deux grosses sphères et deux grosses noix, ils vont prendre une petite noix ici, et une petite sphère là, et une grosse sphère et une grosse noix ici. Par exemple, Arma. Ce qui fait que tu ne peux pas verser non plus le cardan, il a un sens. D'accord ? Il n'y a pas de normes sur les dimensions. Chaque constructeur a sa taille de sphère. Et chacun décide de ce qu'il fait avec l'axe du cardan ici, qu'on appelle le pin en anglais, drive pin, qui est tout simplement la pièce qui te permet mécaniquement de passer la force de la noix qui sort donc du diff au cardan. Ok ? Pour faire un cardan, il ne suffit pas d'un axe en long et d'un axe en travers. Contrairement à ce que beaucoup croient, cette sphère est très importante puisque cette sphère, là, il faut qu'elle ait évidemment la même taille que la noix parce que c'est elle qui tient l'effort mécanique avec l'axe. Si tu mets juste un axe et un axe, ton axe va en prendre plein la gueule, d'accord ? C'est important d'avoir cette sphère au bout. Évidemment, si tout ton cardan est du bon diamètre et juste arrondi au bout, ça va aussi. Mais ça, ça a des inconvénients de poids. Et surtout, si les cardans souvent sont plus fins au milieu, c'est pour avoir du flex. Il est important de pouvoir avoir flexé entre les deux pièces pour encaisser les chocs, endommager moins la transmission. Okay ? Et il est important aussi de pouvoir flexer de ce sens. Quand tu prends des coups sur ta transmission, quand tu te casses la gueule de côté ou n'importe, le cardan doit pouvoir flexer un minimum. L'avantage donc d'avoir un cardan os à chien donc, qui est coincé entre deux noix, c'est que c'est pas cher. D'accord ? L'inconvénient, c'est que de temps en temps, selon le flex, le machin, le bidule et les angles de suspension, tu peux le paumer. Ça arrive. Il faut impérativement qu'il ait du jeu longitudinal parce que justement dans le cas de la suspension et même au milieu du véhicule, je vais t'expliquer les différences. Dans la suspension donc, roue en bas, roue en haut, il ne faut pas que ici ton arbre de cardan touche la noix. On a des véhicules comme ça qui ont des défauts d'usine catastrophiques. Hein. BXR, MT, T2M, je ne sais pas quoi, Pirate Grizzly et compagnie. Tous ces engins ont un énorme problème justement, c'est que la suspension quand elle s'enfonce, on touche ici, Apsima aussi, torche. Et ensuite, tu presses là. Quand tu fais ça, tu crées un effort de levier sur ton cardan. Donc, tu peux plier le cardan, tu abîmes ta noix. Le moteur force parce que tes pièces sont freinées les unes contre les autres. Et surtout, tu vas déglinguer le diff. D'accord ? Donc ça, c'est mauvais.
L'autre problème, c'est quand l'axe est trop près du fond. Ici, ça aussi, beaucoup de constructeurs ont fait cette erreur. Ta suspension va monter et c'est ton axe qui va buter là, même si tu touches pas, et tu vas forcer ici, donc tu vas vouloir sortir ici. Le cardan va avancer et si de l'autre côté il n'y a pas la place, il y a une pression entre les deux. Tu flexes le bordel, ça va pas. C'est pour ça souvent quand je fais le unbox, je vous montre face caméra, on met le train avant, face caméra, le train arrière, et on va à fond de débattement de ce sens, débattement donc en plein débattement de suspension. En pleine compression de suspension. Ensuite, on tourne la noix, donc la fente vers le haut, et on regarde ce qui se passe avec l'axe. Donc, dans aucun de tous ces cas, aucune de ces pièces ne doit être en contact. Il faut que ça puisse bouger, puisque quand ta roue travaille ici, tu changes la distance entre les deux. Si tu as un cardan, on a vu ça par exemple sur le Team Magic 16 ou B8ER, ou le ZD Racing MX07, il y a un certain point où la suspension est posée, où on est en pression. Ça, c'est mauvais, d'accord? C'est très mauvais parce qu'après le moins de choc, tu tapes au fond et tu répercutes tous les efforts sur les roulements de ce côté et le diff de l'autre côté. Enfin, roulement et diff de l'autre côté. Nous avons donc les cardans homocinétiques. Alors, pour certains, il y a une différence entre l'homocinétique et le CVD. Mais Constant Velocity Drive Shaft veut dire la même chose que homocinétique. C'est-à-dire que quel que soit l'angle, l'effort de motricité est le même parce que ce n'est pas le cas avec un os hochien. D'accord? Donc ça, mécaniquement, ça transmet mieux la force. Il y a un avantage, quand ça se décroche d'un côté, ben ça reste dans le véhicule. L'inconvénient, c'est que ça doit être encore mieux calculé que ça, puisqu'ici, on a beaucoup plus de jeu entre les deux côtés que ici. D'accord? Ce genre de cardan, donc ceci est la fusée. Même si certains l'appellent noix côté roue, c'est pas important. Et fixé directement là-dessus, on a donc un axe en travers et on a une sphère. Là aussi, on a différents types de montage. Je vous dis, cette vidéo va être un peu plus compliquée, les petits hauts, il faut suivre. Ici, nous avons une tête de cardan qui est prisonnière du roulement, qui tient donc aussi cet axe. Tout est maintenu ensemble. Il y a certains cardans où le roulement est ici et cet axe est soit serré par un petit BTR ici dans le tonneau, dans la petite sphère, enfin le petit rouleau qui est dedans, soit avec un circlips autour. Donc déjà trois types de montage rien de la variante ici de la fixation de la tête. Okay? Le reste est dans les principes toujours pareil. Une fois que tu as sorti l'axe, tu peux sortir le cardan. Et le cylindre qui est à l'intérieur. Tu peux avoir des usures donc sur cette pièce. Tu peux avoir des usures ici. À un moment, ces usures sont trop grandes, la tête va se déchirer. Ici, c'est rare d'avoir des usures à ce niveau-là. Par contre, ce qui arrive des fois, c'est que à force de chauffer, travailler, taper, bien sûr, on mange les axes, ils se bouffent. Ou des fois il se casse la gueule. C'est rare, c'est généralement des défauts d'usine après quand tu as l'axe qui se barre de ton cardan. Les solutions pour les remettre sont simples. Tu utilises un extracteur de chaîne de vélo qui te permet de le remettre et tu utilises de la glue, tout simplement tu le remets avec de la colle. Ça tiendra, ça bougera plus, sauf bien sûr si tu atteins des températures de fonctionnement de plus de 100-150 degrés qui font craquer la colle. Sur certains cardans, chez certains constructeurs, cette pièce est interchangeable. Il te les livre à part, se monter en force, donc il faut les sortir en force, les remettre en force. Tu peux pas mettre une pièce beaucoup plus grosse, tu pourrais mettre à limite 0,5 m de plus, mais si tu passes à 0,2, tu vas éclater ta tête. Certains de ces axes sont vissés ici avec un petit BTR par le bout, ça c'est souvent sur les plus grandes échelles. C'est sympa parce que tu desserres, tu sors l'axe, tu remets l'axe, tu resserres. Tout ça bien sûr au frein filet, hein. Évidemment. Cette petite pièce peut s'user, donc pareil. Comme l'axe ici, elle va s'aplatir un peu sur les côtés ici. Donc, on va prendre du jeu tout simplement de ce cylindre dans cette pièce. D'accord? On va prendre du jeu ici. Cet axe, tout comme celui-là, va s'aplatir sur les côtés plus au centre. Mais comme tu peux le constater, niveau répercussion des forces mécaniques, ici la force est uniquement sur l'axe et la noix. Tu vas taper en avant, ok? Tu vas presser dessus. Ici aussi, tu vas presser.
D'accord? Donc généralement toujours dans le même sens, ta noix va se bouffer, se déchirer. Il est important que le matériau de l'axe corresponde avec le matériau de la noix. Tu as beau avoir une noix super méga balèze, si l'axe n'est pas adapté, c'est l'axe qui va se bouffer. Ça, c'est moins grave parce que justement, tu peux souvent les changer dans ce cas-là, donc ça, c'est cool. Ou si tu as un axe trop dur par rapport à ta noix, parce que ça, on a déjà fait aussi pour des réparations provisoires, sur le terrain, on casse de l'axe, on a mis autre chose dedans, le matériau était tellement dur que ça a déchiqueté la noix. Ok? Donc ça, faut faire gaffe. Répercussion des efforts ici, beaucoup plus de stabilité. Nous avons donc une pièce en mouvement, en liaison ici, tu vois, qui doit pouvoir circuler librement. Hein. Si elle se grippe dedans, bien sûr, ton cardan, il va aller dur. Là, il n'y a rien qui peut gripper. Et nous avons l'axe qui passe dans la tête ou devant la tête ou n'importe. Ok. Et vous savez quoi? Si, je l'ai là. Ok. Donc ici, trois points d'appui contre un seul ici. D'accord? Bien sûr, tu vas me dire, il y en a deux, mais il y en a un de chaque côté, d'accord? Quand tu mets le coup. Alors que ici, tu as ces mêmes deux points d'appui, en haut, en bas. Et plus de pièces en mouvement. L'usure, généralement, sur ces pièces est au total donc moins grande. Il y a bien sûr, du coup, plus d'efforts sur le côté opposé. Attention. Il existe les cardans, on ne parle pas encore du télescope, double CVD. D'accord? Alors, peut-être que je suis une connerie avec l'histoire de Homocity qui est du CVD. On va laisser les pros répondre. Ici, tu as une articulation sur quatre points. D'accord? Donc certains appellent ceci un cardan homocinétique, celui-là un CVD. Pour eux, c'est la différence entre les deux. Pour moi, c'est juste un double homocinétique ou un double CVD. Je te le répète encore une fois, peu importe si tu as raison ou tu as tort, l'important c'est de se comprendre avec ton interlocuteur quand tu cherches la pièce ou quand tu as une panne sur le sujet, tu discutes avec quelqu'un sur le sujet, il faut juste s'entendre. Okay? Ces cardans, maintenant ça c'est en plastique, existent bien évidemment aussi en acier. L'avantage du double CVD, c'est d'avoir deux fois donc la répartition d'efforts sur plusieurs pièces. Ok? Tout simplement. On a donc deux fois cette tête. Donc encore moins d'efforts d'usure. Une motricité bien plus constante, puisque ici on a toujours un petit jeu ici au niveau de l'axe. Donc une petite latence de temps de transmettre la puissance sur l'autre. Tout ça c'est diminué là. Et quel que soit l'angle du cardan, on a toujours le même effort sur la tête. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Un peu moins car sur celui-là et au mieux sur celui-là. Donc ça, c'est ce que je préfère. En plus de ça, celui-ci est télescopique. Et ça, c'est vraiment le must pour moi, les cardans télescopiques, que ce soit plastique ou acier. Donc les problèmes mécaniques ici sont bien sûr, peuvent te répercuter en double. Hein. Si un des axes grippe, ben, ça tourne plus rond, ça coince. Pour les usures, c'est la même chose. Les cardans télescopiques ont quelque chose en plus, c'est que le télescope doit impérativement fonctionner. Puisque je te rappelle que la distance entre ta roue et ta suspension varie selon la position de la roue, justement, tu vas plus ou moins sortir ou rentrer ici sur le télescope. Pourquoi je préfère ça, même si en plus, effectivement, de tous les petits jeux de là et des cannelures, tout simplement parce que quoi qu'il arrive à ton véhicule, quand tu prends un coup sur le côté, comme nous avons des triangles en plastique, tout ça flex, eh ben on peut travailler. Donc, on n'a pas, sauf si cette pièce grippe, de répercussions de choc mécanique dans le diff et moins de stress pour les roulements en pression. Contrairement à ce système-là, quand ce système va être comprimé, le choc ici va se répercuter dans la noix sur le roulement ici et le roulement de diff et les éléments internes du diff. Puisque cette noix à côté diff est fixée à l'intérieur sur les planétaires et les satellites. Mais ça sera un autre épisode. Existe d'autres versions. Chez Traxas, on a un axe qui sort et ceci monté à l'extérieur. Quand cette noix pète ou qu'elle est endommagée, ici il faut démonter tout le diff. Là, tu peux les démonter par l'extérieur. Certains ont des cannelures à l'intérieur du diff et la noix rentre dans les cannelures.
Il y a des cardans et des arbres de roue. La différence entre un cardan et un arbre de roue, c'est simple, c'est que le cardan, c'est une articulation en général, ça permet un mouvement. L'arbre de roue, lui, il va du diff à la roue, dans le pont. Ça, c'est l'épisode 6, je crois, ou 5. Dans un pont où ta roue est fixe et ton diff est fixe, il y a un arbre de roue, donc il sort du différentiel qui va directement jusqu'à la roue, basta. Okay? Là, il n'y a pas de mouvement possible de ce sens, sauf si tu as explosé ton pont. Il n'y a pas censé avoir de mouvement comme ça, et il n'y a non plus ni de mouvement comme ça, ni comme ça. D'accord? C'est droit. Fin de l'histoire. Pour l'entraînement, ça peut être un carré, un triangle, un hexagone, une étoile, un 12 pans, tout ce que tu veux. Chaque constructeur fait comme il veut quand ça rentre à l'intérieur du diff. Même la noix, dans le diff, c'est pareil. Il y en a qui sont cannelés, il y en a qui ont carré, il y en a qui ont juste un méplat. Sur Traxxas, par exemple, X-Max et compagnie, tu as une vis au fond de la noix. Chez FG, tu peux aussi sortir la noix sur le côté. Là-bas, il n'y a rien qui la tient. Donc gaffe, si le cardan se barre, la noix est partie. Je vous conseille de mettre un tout petit peu de quelque chose de collant pour éviter de paumer vos noix. C'est moche quand tu rentres, t'es parti sur le terrain avec un deux roues motrices et deux noix et que tu rentres avec une seule noix. Chérie, j'ai perdu une noix! N'est-ce pas? Les cardans, bien sûr, existent de toutes les longueurs possibles. Au centre du véhicule, généralement, sont les plus longs. Ceux-ci existent full plastique, existent avec les croisions en métaux et le reste en plastique. Ne croyez pas que ceci est moins solide. Il y en a effectivement qui sont mal foutus, qui sont moins solides. Il y en a des super balèzes. L'Ozzy Super Ocre et Super Bajaret ont des cardans télescopiques plastiques. Les bécanes font 10-11 kilos. Ça ne pose aucun problème. Je n'ai pas réussi à casser un seul de ces cardans. Bon, après, ils coûtent un peu la peau des fesses. Vaut mieux pas qu'ils pètent. Okay. Les cardans au centre du véhicule, c'est pareil. Souvent, c'est des dogbones. De temps en temps, c'est du CVD. Très rarement du double CVD. Pourquoi? Parce que ta noix te permet un jeu. Et tu n'oublies pas que ton châssis peut flexer. Ça sera dans un autre épisode. Et évidemment, quand il flexe, c'est-à-dire ton train arrière atterrit, ton châssis se balade au milieu, ta distance raccourcit. Okay? Donc si tu es en double CVD fixe, tu as un problème puisque tu tires sur tes pignons d'attaque, sur tes pignons diff, tu vas arracher quelque chose au milieu. D'accord? C'est rare d'avoir un CVD plastoc, mais ça se trouve aussi. Bon, oui, le pont arrière du Losi Super Ocre Super Bajaret, par exemple, un CVD plastoc. Sinon, ce qui est utilisé d'autre, c'est un tube. Alors, ça peut être un tube extrudé, ça peut être. Kyosho avait fait à l'époque juste un sipan. C'était une clé Allen plate, en fait. C'était pas une clé Allen, hein, c'était le même profil que. Juste un profil sipant comme ça qui se mettait devant derrière, fin d'histoire. Ces tubes, c'est pareil, impératif qui se balade. Ces tubes existent en télescopique dans la gamme Arma 3S et 4S. Donc ils ont un ressort au centre, tu peux les télescoper. Ils ont besoin de jeu, puisque ton véhicule justement peut se comprimer. L'avantage de ça, zéro vibration. Parce que des fois, les cardans en acier, ça vibre. Arma, voiture piste, un 7e, catastrophe. Obao nous a fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'ils ont fait un tube maintenant en alu et ils ont mis directement la tête dogbone d'un côté et de l'autre. Comme ça, ils ont le jeu dans les noix et ils ont un cardan qui ne vibre pas. Autre avantage de ceci, c'est que c'est extrêmement léger. Les casses possibles, torsion, pliage. Ça aussi, ça se plie. Rarement, ça reste tordu, ça flexe hein, comme ça, mais très très rare d'avoir vu un cardan qui est resté torsadé. Sur certains véhicules, c'est plus ou moins épais donc, ou fin, justement selon l'utilisation et où c'est placé. Différents matériaux utilisés. Ce que je préfère, c'est ce genre de matériaux. En RC, on appelle ça de l'acier UDI, parce que UDI, c'est celui qui les fabrique. Mais en allemand, ça s'appelle Federstahl. C'est de l'acier ressort, tout simplement, qui permet juste du flex comme ça, du flex comme ça. Et quoi qu'il arrive, ça revient. D'accord? Donc ça peut encaisser des déformations des triangles. Mais rester droit. Contrairement à certains cardans, on l'a vu chez Coralie sur les V1 et les V2, au moindre pète, ils sont pliés, et puis ils restent pliés, bye bye. Fin de l'histoire, tu te démerdes, ok? Ça c'est moche. Arma un cinquième aussi, gros problème avec ces cardans qui vont au roues. Et quand ils plient pas assez, justement, ton choc se répercute là, et tu te défonces ici, à l'intérieur.
Et en fait, on a fait le tour. T'as tellement enchaîné, Mani, que t'as fait le tour. Donc, je te rappelle, os à chien, symétrique ou décalé, qui fonctionne sur deux noix, une devant, une derrière. Noix ici au diff qui peut être intégré dans le diff, qui peut être démontable de différentes façons. Carrelant homocinétique simple, avec différents types de montage ici au niveau de la tête. Ça peut être aussi un croision, comme ici. Donc on a soit intégré au roulement, soit posé à l'extérieur du roulement avec un circlips ou une vis de verrouillage. On a un croision externe qui peut être serti, qui peut être fixé avec des circlips, qui peut être fixé avec des BTR. Et on retrouve la même chose en double. Et on a les cardans télescopiques. On a les arbres de roue qui sont donc fixes entre le diff et la roue, mais ça c'est vraiment seulement dans les ponts. Les arbres de transmission centraux qui peuvent être des dog bones, des homocinétiques simples ou des tubes simples ou télescopiques. D'accord? Destruction possible, donc usure des axes, usure des noix qui vont se découper. Beaucoup de constructeurs font aussi la grosse erreur de faire des axes plus courts que l'épaisseur de la noix. Ce qui fait que là, par exemple, on est un rat, mais quand tu travailles, quand tu prends de l'angle, regarde, ton axe n'a plus une portée propre dans la noix, va découper la noix. Gros souci aussi chez Obitech. Il n'y a pas que, il y a plein de marques, c'est juste, ça me vient en tête par rapport aux destructions que j'ai eues. Après, il y a plein de marques que je n'ai pas essayé aussi, que je sais qu'ils ont ça. Où je suis pas content parce que je sais que les véhicules sont fragiles. Hein. Corali V1, V2, on a eu énormément de problèmes avec ça. Traxxas aussi, ils ont les noirs relativement souples, tendres et se découpent. Généralement, tu tiens quand même une cinquantaine de runs. Traxxas en particulier utilise ses noix comme pièces fusibles pour protéger ses différentiels. Quand le cardan va taper au fond, la sphère ici. Éclate l'arrière de la noix et au lieu de défoncer le diff, tu te retrouves juste avec ta noix en tulipe. Donc tout ce que tu as à faire justement, c'est rapidement la remplacer et vu qu'elle est accessible par l'extérieur, c'est cool. Mais ça dépend des modèles. Donc tous ceux qui en savent plus, qui ont d'autres techniques, qui peuvent mieux expliquer la différence entre le croision et le CVD et l'homocinétique, etc. Pour moi, un cardan à croision, c'est un homocinétique aussi, puisque l'effort est constant. Ceux qui ont envie de regarder les définitions mécaniques exactes, ceux qui ont envie de donner d'autres définitions, ceux qui ont d'autres idées, qui ont vu d'autres systèmes d'entraînement, lâchez-vous. C'est là pour ça. D'accord? Ne vous dites pas, je vais dire une connerie. Dites-le. Faut pas hésiter. Partagez avec nous. Les compétiteurs, qu'est-ce que vous avez le plus en utilité? Qu'est-ce que vous préférez? Quels sont vos problèmes d'usure particuliers? Il y a certains cardans aussi, effectivement, qui ont des soufflets dessus. Oui et non. C'est un peu de la poudre aux yeux. Souvent, ces soufflets se déchirent. C'est chiant à remettre en place, pour démonter, pour tout remettre. Si tu fais ton nettoyage, ton graissage à chaque fois après, ça va aussi. C'est vrai que tu as moins d'entretien que le soufflet, mais quand ton soufflet est percé, c'est pire. L'eau rentre, la merde rentre et elle reste dedans. Donc il y a des pour et des contre, t'aimes ou t'aimes pas, et on arrive à ensuite, parce que ça c'était les trucs les plus courants. C'est quelque chose que j'ai ici, mais c'est dans un véhicule. Les cardans avec des sphères. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un axe, tu as. Trois, en général, trois sphères. Il y a une fois un constructeur qui avait fait jusqu'à six sphères. Donc on a six petites sphères. Et ta noix, elle, au lieu d'avoir deux fentes, elle a donc trois ou six enclaves pour les sphères. Là, on a vraiment ce qu'il y a de mieux. Puisque l'effort est permanent sur les sphères. Donc on a toujours du contact. On a une motricité permanente. On a une usure aussi bien moins prononcée. Je dirais que sur les petits véhicules, c'est pas utile, mais plus ils sont lourds, mieux c'est. Par exemple, quand tu vous compares ici la MCD XR5 avec le Losey 5, qui est une super bonne bécane, qui a des axes de cardan 5 ou 6 ou 5 ou 5 mm ou presque 6, avec des noix énormes, on a quand même rapidement des empreintes dans ces noix,
Alors que ici, où on a des cardans à trois sphères, FG aussi par exemple, ils ont ça avec les trois sphères côté diff, tu as une usure ridicule. Là, le soufflet est plus utile puisque si ces sphères s'encrassent, ça va bloquer très vite et tu vas usiner l'intérieur de ta noix et bouffer tes sphères. Et si les sphères se bouffent, comme elles sont montées un peu avec un effet ressort, tu vas dégrader ta pièce. Donc là-bas, le soufflet est vraiment plus utile. Surtout en TT, évidemment. Mais ça, alors c'est pas super répandu. Il y avait une fan optionneur qui avait fait ça pour le Erevo, je crois. Je sais plus qui c'était qui avait fait ce système-là pour le Erevo. Les deux choses que je préfère, ce sont les sphères et le double croision CVD. Télescopique, pardon. Ce système-là en double, pareil, télescopique, que ce soit du croision ou du comme ça. Ce que ça change, c'est la longueur du cardan. Puisque cette tête de cardan est complètement dans la roue, et qu'ici tu as ton axe de pivot qui tourne, tu as donc un cardan très long qui te permet un énorme débattement de suspension, d'accord, qui ne coince dans quasiment aucun angle, ou seulement vraiment très extrême, tu vois. C'est quand même délirant ce que tu as à faire avec ce truc-là. Alors que le croision, lui, est excentré par rapport au pivot, comme tu peux le voir. Donc on va travailler différemment. Donc même si tu as une tête croision de l'autre côté, tu te retrouves quand même avec ça. Mais là, c'est très important que la noix, justement, soit assez longue pour permettre tout le mouvement qu'on va perdre ici. D'accord? Et le double croision ou double CVD télescopique, alors là, ça, c'est du délire, puisque, comme tu peux le voir, tu vas voir, attends, je vais te montrer, avec un cardan plus court, tu vois, il est beaucoup plus court, on arrive à faire le même débattement déjà. Comme il est télescopique, on n'a pas de limite, il n'y a aucun moment quelque chose qui va coincer pour faire fonctionner cette transmission. Donc ça, c'est vraiment mes chouchous. Les cardans en sphère sont aussi oblongues, hein, les trous, parce que pour la même raison que ça se déplace. Tu trouveras pas un cardan avec les sphères devant et derrière, enfin en RC. Je te dis ça, et ça se trouve, ils ont mis ça dedans. Tu en trouves, ouais, avec les soufflets, les machins, parce que dès que ça sort de là, en fait, les billes, elles sautent. Donc c'est un peu chaud. Ce qui n'est pas utilisé en RC par rapport à l'automobile. En automobile, on a des sphères, mais ces sphères sont sur un patin, si tu veux, en fait, qui lui peut se déplacer sur le cardan. D'accord? On a du mouvement possible devant et derrière pour encaisser justement tous ces mouvements et ces variations. Ce qui n'est pas encore utilisé en RC, puisque on n'a pas autant d'angle de suspension, autant d'efforts dessus. Dévier sur l'automobile parce qu'il y a encore plus de possibilités avec des à la place des sphères, tu as des roulements et des bagues et des trucs à aiguilles. Il y a encore quelque chose dont j'ai oublié de parler ici, c'est monter sur, et là en RC pour ma part, je ne le connais que chez Team Magic, sur le Team Magic E6, n'importe quelle de ces versions, tu as un cardan CVD comme ceci, d'accord, mais qui a une tête ici ovoïde. C'est-à-dire que entre l'axe et la fusée, il y a un mouvement télescopique possible. Là, c'est juste le jeu qui est dû à l'usure. Chez Team Magic, on a 5 mm. Ça peut se balader de 5 mm dedans, derrière. Donc ça permet aussi un grand débattement malgré un cardan court et économiser pas mal de choc. Parce que quand ça va taper sur la noix, comme on a la place devant, le cardan peut rentrer dans la tête encore. On a 5 mm de jeu. Et on peut éviter ce genre d'accident. Je crois qu'on est bon. On parlait tout à l'heure des différents types de noix, tu vois. Ça, c'est avec cannelure. Ça, c'est monté sur un axe avec une vis sur le côté. Celles-là sont vissées par là. J'ai rien oublié. Non, je crois qu'on est bon. Vous n'oubliez pas que ces coins du débutant RC, enfin, pas le coin, les épisodes de débutant RC ne sont pas faits pour aller pousser dans la technique et le machin et le bidule. On explique les pièces
à quoi elles servent, où elles sont sur le véhicule, les différents types de montage. Je connais pas tout, donc il y en a certainement un ou deux qui m'échappent. C'est pour ça que vous intervenez dans les commentaires, ceux qui ont vu autre chose. Et quand on aura fini toute cette série de débutants RC, on fera peut-être... on reviendra encore une fois là-dessus, d'une façon différente pour ce qui est de l'entretien. Parce que là, pour l'instant, on a parlé d'où se situe dans le véhicule, à quoi ça sert, les pannes possibles. Et après, évidemment, il y a des pièces... L'entretien, c'est toujours le même, un petit nettoyage, un petit... il faut que ça coulisse bien, donc un graissage, un huilage, ce que tu veux. Mais il y a certaines pièces qui nécessiteront plus de ces choses, donc on refera un tour, un peu, en parlant encore un peu plus de l'entretien. On poussera peut-être un peu plus à ce moment-là les explications. Mais voilà, dans les grandes lignes. Donc j'attends les pros de la question sur l'homocinétique, le CVD. Certains vont me dire, mais t'es mécano, tu le sais? Évidemment, je le sais. Mais si je vous fais pas participer, à quoi ça sert? Je suis pas un journal, moi. Moi, tu peux écrire, il y a des commentaires. Tu me donnes ton truc, on en discute. Et tous les autres aussi, prenez l'habitude de lire les commentaires des autres. C'est pour ça que c'est là. Vous allez voir les coms, sur les, de ceux qui savent, là qui vont mettre le com, qui vont faire cet effort, qui ont envie de participer, ils vont mettre le commentaire, vous lisez le commentaire, vous leur répondez. Et comme ça, on crée une discussion sur la page vidéo. N'oubliez pas que mon blog est ici, je m'amuse pas sur Facebook, machin, bidule, Messenger, truc mûche, WhatsApp et compagnie à faire des groupes. Et t'imagines le nombre de messages que j'ai. J'ai des centaines de commentaires, j'ai des centaines de mails tous les jours, ok? Donc je vais pas encore me foutre sur un Messenger où les gens te parlent, tiens, t'as vu aujourd'hui fait beau, ça m'intéresse pas qu'il fasse beau aujourd'hui, je le sais, je vois. qu'on me demande la taille d'une vis, où trouver un circlips. Tu vois, et l'autre truc de tout ce qui est Messenger, en fait, ce que vous oubliez tous, c'est que c'est égoïste, puisque tu me poses une question, je te réponds, seul toi à la réponse. Quand vous posez la question dans les commentaires, déjà tous les autres peuvent répondre, moi je vous réponds, et tous les autres qui passent par là peuvent aller voir les commentaires et ont leur réponse, tout simplement. Tout le monde en profite de cette discussion publique, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne publique, sinon ce serait une chaîne privée. C'est pour ça que je n'utilise pas tous les messengers et que je ne fais pas des discussions individuelles avec chacun, puisque moi je vais le but pour moi de faire une chaîne, c'est de dire une fois la chose et ensuite il y a 1000, 2000, 3000, 5000 personnes qui peuvent le voir et avoir la réponse. Imagine, je ne vais pas m'amuser à répéter 5000 fois, à écrire 5000 fois la même chose sur le PC à 5000 personnes différentes, puisque je peux le faire qu'une seule et unique fois en vidéo. Quand ça m'arrange, quand j'ai envie, comme j'ai envie, avec le matos que je veux, avec la technique que je veux, et voilà, j'ai pas besoin d'écrire, tu vois. Et toi, t'as juste à voir la vidéo. Ayez le réflexe aussi, les gars, des fois, ayez le réflexe de partager plus les vidéos. Quand certaines personnes vous posent des questions, par exemple, n'hésitez pas à leur donner le lien. Dis, regarde, voilà, il l'a expliqué, c'est super facile comme ça. Bien sûr, si tu as envie de l'expliquer, de te prendre le temps et que tu as tes mots à toi, fais-toi plaisir. Mais pensez à dispatcher les gens comme ça sur les vidéos. Pensez à regarder régulièrement les playlists, hein, le coin du débutant, le coin du dépanneur. Il y a les essais, les machins, les tests de ci, de ça. Pensez au moteur de recherche. Sur smartphone, c'est un peu le couillon de l'histoire, parce que sur PC, quand tu vas sur la chaîne principale de n'importe quelle chaîne, tu as une petite loupe, et là, tu mets ton mot. Et ça cherche uniquement sur cette chaîne. Si tu es sur un autre support, ou si tu ne veux pas aller sur la page principale, pense à mettre le nom de la chaîne sur laquelle tu veux la réponse. Tu mets par exemple Croc RC Cardan, et tu auras toutes ces vidéos qui parlent de Cardan. Tu mets RC Jam Jam Crawler, là tu vas avoir plein de vidéos. Parce que papy s'est barré en crawler. Mais on ne l'a pas tout à fait perdu, vous inquiétez pas, il y a toujours un Xmax et un XRT. Ça dépend des saisons en fait. Tu vois, tu mets la fripouille Xmax, tu trouves toutes ces vidéos de Xmax, tu mets RC Garage 68 Cardan, tu vas trouver sur toutes les vidéos de Cardan. D'accord? Plus ou moins, parce que y a c'est vrai que des fois on parle de certains éléments, les titres ne me permettent pas de tout mettre. On est limité en caractère dans le titre, donc on ne peut pas tout mettre. D'accord? Donc c'est pas trop facile pour les moteurs de recherche. Les hashtags, c'est générique aussi.
Mais pensez aux playlists, pensez à mettre juste RCGar 68 en un mot, lipo, tu trouves mes tutos lipo, tu vois, il y a plein de choses. Pensez-y, partagez. Je veux voir plus de vos commentaires, je veux voir plus de vos expériences. Je veux savoir qu'est-ce qui vous est tout arrivé avec des cardans os à chien. Et ben moi, le plus souvent, c'est tordu, perdu et bouffé les axes. J'en mange l'échange, j'ai utilisé des mauvais matériaux, j'ai déchiré mes noix, j'ai utilisé du matériel sur un, il y avait du jeu, j'ai mis plus gros, ben, ça a éclaté la tête, c'est pour ça que je peux te dire que ça pète la tête. Sur ce genre de cardan, tu arrives à une usure tellement prononcée que tu vas déchirer la tête, ou sur des angles complètement délirants. Hein. Quand tu as des angles trop grands et des chocs trop violents, tu vas, si c'est pas le cardan qui plie, déchirer ta noix. Les noix, le plus souvent, ça s'use tellement que ça finit par tourner dedans. Oui, j'utilise mon matos jusqu'au bout. C'est vrai que tu pourrais t'arrêter une fois que c'est bien usé et dire voilà, mon cardan, il lui faut 1 cm avant que ma roue bouge. Mais ça tourne encore, donc banzaï. Sur les télescopes, dans le gros tout-terrain, après une bonne session de tout-terrain, télescope bloqué sur Summit, pas fait gaffe que le télescope était bloqué, donc. Ça te coince la suspecte, puisqu'elle ne peut pas descendre à fond, et ça tire sur le pignon d'attaque sur lequel est fixé ici l'autre corps partie du cardan. Résultat, destruction du diff. Sur les cardans plastiques, bon, bah, ça peut se déchirer, ça peut se casser. Cardan plastique, ce n'est pas forcément un mal. Hein. Os à chien Tamiya en plastoc, avec un méga axe de 4, hyper endurant. Et tu sais pourquoi? Même la noix est en plastoc. Mais déjà, elle a un gros axe, donc une grosse portée. Et c'est flex. Le fait que ça soit flex, quand la roue force, ça économise les chocs. D'accord? Pensez aussi à tout ce qui peut arriver sur les cardans, les noix et tout ça. On en reparlera encore dans l'épisode sur les diffs. Mais quand tu es brutal avec tes gaz, clac, 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 clac. Ici, à chaque fois, avec un électro. C'est moins le cas en nitro parce qu'en nitro, tu as le temps que le moteur monte dans les tours, même si c'est rapide pour les nitros par rapport au deux temps. Je parle en thermique, je veux dire. Tu as les maslottes qui commencent à prendre l'embrayage, ça commence à tourner. Donc, ce qui se passe, tu as un petit mouvement qui va mettre en contact ici et après ça va partir. En électro, tu freines, tu es à l'arrière de ton jeu. Quand tu remets les gaz, clac, tu es en marche avant. Tu vois, tu vraiment clac, 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 clac. Et en électro, ce qu'il faut savoir, c'est que le couple est instantané. D'accord? Tu as un couple maximum déjà à 1 ou 2 tours minute. Ce qui fait que tu tapes avec 1 ou 2 chevaux chaque fois. Tu vois, tu vas à chaque fois mettre 2000 watts, 2000 watts, 2000 watts, 2000 watts dans la gueule du truc. C'est pas progressif. C'est pour ça que je vous dis toujours pensez à être progressive avec les gaz. Certains d'entre vous me disent, ouais, mais t'es aussi brutal sur les vidéos. Je touche la gâchette. Au moment où je touche, ça se met en contact. Après, j'y vais. Une fois que ma roue bouge, je touche un peu jusqu'à ce que ma roue bouge. Quand ma roue bouge, je mets le reste. Mais j'arrache pas à fond de zéro. Toujours progressivement. Ce que tu fais avec ton doigt en électro se répercute sur la route, sur le terrain. Pareil pour le freinage, tu touches un peu, ensuite tu enfonces ton frein. Tu fais pas gaz, frein! D'accord? Ça, c'est le pire des trucs. On en entend souvent dans les vidéos. Quand ils sont en l'air, clac, 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 et t'entends la transmission en l'air. Et très important aussi, toujours, quelque chose qui économise énormément les cardans et les noix, c'est au moment d'arriver au sol, quand tu sautes, tu touches ton frein, tu ralentis les roues, et tu lâches tout au moment de taper. Parce que si ta roue tourne encore très vite quand tu arrives au sol, ici, clac, arrêt net. Si tu as un véhicule très lourd, comme un X-Max, chaque fois. Dans les noix, tu as la vitesse et le poids du véhicule, des centaines de kilos. Tu lui mets dans la gueule chaque fois ton cardan, ta noix, ta transmission. Donc pensez-y, un peu plus souple sur l'axel, un peu plus souple sur le freinage. Pensez à ralentir les roues avant de taper le sol, mais n'arrivez pas bloqué. Sauf en cas d'urgence. Des fois, il n'y a pas le choix. Il y a quelqu'un au sol, tu tournes la tête, t'as le gars en face,
tu bloques les roues pour arrêter le véhicule immédiatement avant lui pour pas le percuter. Et là, tu choques ta transmission, ben parce que ta transmission, tu peux la réparer, la tête de l'autre. Généralement, ça se répare moins bien, ou ça laisse des traces. Alors, si tu l'aimes bien, hein, comme moi, quand j'ai failli dégommer Fabrice, je l'aime bien Fabrice, alors je l'ai évité. Il y en a certains, j'aurais pas évité. Hein. J'aurais dit, oh merde, je l'avais pas vu. Oh, il va être moins beau maintenant. Donc j'ai bien fait d'y réfléchir encore, hein, puisqu'on a oublié de parler donc de l'effort de la motricité, du freinage et de l'accélération sur les cardans. C'est pour ça que, aussi, de plus en plus de constructeurs reviennent en arrière avec la puissance embarquée. On se retrouve avec des Arma 4S avec des moteurs de 36-70, des Traxxas Max avec des moteurs 36-70, des bécanes de 4-5 kg avec des tout petits moteurs. Parce que ça diminue l'effort à la transmission. Les constructeurs, de plus en plus, font des systèmes, Hobbywing, Quickrun G2, ou Max G2, à capteur, les nouvelles programmations, enfin Castle, ça a toujours été doux, mais maintenant encore plus. Tous les nouveaux combos qui arrivent de plus en plus sont étagés différemment sur la montée en régime. Ils ont une bride interne d'ampérage, selon l'accélération que tu es en train de faire. C'est-à-dire que même si tu fais ça, en fait, dès que le vario repère la montée en ampères, il va la briser. Il va empêcher que 12 ou 13 000 watts arrivent instantanément. Parce que tu peux le faire. Ça, c'est la brutalité de l'électrique. Ici, on a 13 kW. Ça fait 17 chevaux. La bécane fait 15 kg. Quand j'enfonce, je balance instantanément 13 kW dans les roues. Donc les diffs, la transmission, les cardans, jusqu'aux roues, tout prend un coup. Clac, 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 jusqu'à la roue qui va arracher le bitume, en prendre plein la gueule et se faire défoncer la gueule à l'accélération. Les nouveaux systèmes empêchent ça de plus en plus. Vous l'avez vu avec celui-là, au niveau du punch. Je fais le petit crochet par là parce que ça concerne la transmission. Pour pas qu'elle finisse ici complètement ovalisée, bouffée, usée. Ici, ça va se fendre, ça va se déchirer. Enfin, ça va prendre du jeu. À un moment, ça va se fendre, ça va se déchirer. Ça peut se tordre, finir carrément torsadé. D'accord ? Quand c'est des noix, donc, on entaille les noix à gogo. Ici, les cylindres, les petits axes, etc. etc., etc. Ok ? Le tube, c'est pareil. À force, sur les canures, clac, 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 ça prend des coups. C'est moins sensible sur les canures parce que, tout simplement, il y en a plein. Ici, il y a une dizaine de points de contact. Donc, c'est un peu comme le coup des sphères dans la MCD. Ok ? Et là, je pensais une connerie. Là. Et maintenant, j'y vais. Là, je crois qu'on est bon. Je n'ai rien oublié. Enfin, si, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais je compte sur vous. N'oubliez pas que quand la vidéo sort, là, ça sera samedi matin 8h. En général, je suis quelque part dans les commentaires et je réponds pas en instantané, mais quand, au moment de la vidéo sort, généralement, je suis un peu là. Après, je suis occupé à autre chose. Hein. J'ai le boulot, la famille, le machin. Je repasse par là le soir. Mais n'hésitez pas. Hein. Patientez quand vous avez une question, vous posez la question, vous attendez 24 heures. Si je n'ai pas répondu dans les 24 heures, vous me réécrivez sur la dernière vidéo en date. Vous me dites, j'ai laissé un com sur l'autre vidéo, tu n'as pas répondu. Je vais vite voir, je te réponds. T'inquiète. Ce n'est pas moi qui réponds, ce sont les abonnés. Merci à tous ceux qui participent. J'aimerais en voir plus. D'accord ? Il y a des fois des gens qui posent des questions. Je sais que plein d'entre vous ont la réponse. N'hésitez pas à leur répondre. Après, ils vont dire, oui, mais justement, après, nous, on écrit 150 fois la même chose et toi, tu fais la vidéo pour être tranquille. À bientôt. Enfin, épisode de, donc 9, a priori, a fortiori, samedi prochain. Je vous promets pas que ça va arriver. Je vais réussir à tourner comme ça tous les samedis jusqu'à la fin de l'année. Hein.